Mesdames, messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à cette cérémonie des vœux 2016 de Saint-Sébastien-sur-Loire. Et pour débuter, je vous demande d'accueillir comme il se doit monsieur le sénateur maire Joël Guerriot. Merci Julien. Alors moi je voudrais saluer la présence de madame la sénatrice honoraire Gisèle Gauthier, qui fut maire de Carquefou, avec qui j'ai partagé mes débuts d'élu et pour qui j'ai une vraie sympathie et une vraie admiration, parce que c'est une femme de caractère qui a su défendre son territoire avec conviction. Alain Chevaux, qui est le président de l'intercommunalité de Loire et Sillon, qui nous fait le plaisir d'être là, notre vice-présidente du conseil régional, mais également maire de Saint-Marc-du-Désert, Barbara Nourry. Elle va arriver. Mes compagnons de route sur Nantes Métropole, et qui sont aussi nos voisins, avec Rodolphe Amaillant, qui est maire de Vertou. Et puis toi, Alain Vey, qui est maire de Basse-Goulaine, que tout le monde connaît bien, puisqu'on est très souvent ensemble, et tu nous fais très souvent le plaisir d'être parmi nous. Donc merci à vous. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, c'est toujours un moment de bonheur que de vous retrouver pour ces vœux à la population. Et je dois vous dire que vous avez pu constater à travers ce premier film combien l'année 2015 a été une année riche en événements, une année riche comme toutes nos années, dirais-je, mais avec, comme d'habitude, de grands moments, des moments innovants. Et je voudrais simplement être très rapide sur l'année 2015. Vous savez que ce film, c'est aussi pour éviter de revenir trop longtemps sur ce qui a été notre année passée. Je pense qu'on peut quand même souligner que nous avions innové en créant Cinéphile, un grand moment de la culture sébastianaise, moment qui nous a permis de voir que finalement, on est bien à Saint-Sébastien dans ces moments de culture. Et puis nous avons eu également d'autres innovations, et je pense en particulier la réalisation de nouveaux équipements sportifs, équipements que vous avez pu apprécier maintenant, qui sont l'anneau roller et vélo, qui est un anneau tout à fait performant, puisqu'en plus il a une particularité, c'est qu'il est unique. Il est unique en France, c'est la première fois que se réalisaient sur un même espace deux fonctions d'anneau, l'un pour le roller et l'autre pour le cyclisme. C'était là une prouesse technique qui est sympathique à nos yeux et qui en tout cas était particulièrement réussie puisque le jour de l'inauguration, c'était une grande fête. Nous avons également réalisé un nouveau terrain synthétique sur la Profondine. Et puis il y a eu également, bien sûr, ce fameux gymnase Luc Caballo qui font partie donc ces trois investissements de l'année 2015 que je souhaitais souligner. Je voudrais remercier d'ailleurs à ce titre tous les bénévoles qui sont du monde associatif, mais aussi les fonctionnaires territoriaux, les élus, qui nous permettent d'assurer tout ce dynamisme que l'on reconnaît à notre commune. En 2015, nous avons également accueilli de nouveaux cadres, dirigeants, et pour des fonctions essentielles de notre commune, et je tiens aujourd'hui et ce soir à vous les présenter. D'abord, nous avons une nouvelle directrice financière, qui est Anna Huchet du Germer, qui est ici présente au premier rang, qui est arrivée dans nos murs le 7 septembre 2015. Nous avons également un nouveau directeur des services techniques qui connaît bien Nantes Métropole, puisqu'il y a été également un des cadres, ce qui est pour nous un atout, puisque je crois que c'est très important maintenant de fonctionner au plus près de l'instance métropolitaine dont nous dépendons. Donc c'est important, votre expérience. C'est donc Hervé Guégan. Et puis, celle qui occupe maintenant la fonction majeure au sein des services de notre collectivité, c'est Isabelle Théron. Isabelle Théron a une expérience de direction générale dans une autre collectivité qui est en Seine-et-Marne, qui est Villeparisis. Elle nous a apporté son expérience. Elle nous a apporté très rapidement, quand elle a pris ses fonctions le 20 avril 2015, son dynamisme. Et nous avons pu constater sur ces mois que nous passons maintenant avec Isabelle Théron que nous avions fait un excellent choix. Et j'ai une pleine confiance dans sa capacité à garantir le respect des nouvelles procédures de contrôle, de suivi que nous avons mis en place au sein de notre collectivité. À ce propos, je voudrais rappeler que la Chambre régionale des comptes a analysé notre gestion municipale pour les années 2009 à 2013. Il en ressort, malgré une diminution préoccupante, et nous l'avions dit, des dotations de l'État, que la situation financière de notre commune est jugée satisfaisante par la Chambre, même si ça peut d'ailleurs contrarier nos détracteurs. Elle atteste en effet de la qualité de la tenue de nos comptes, du bon niveau de notre information financière et du très bon niveau des indicateurs d'endettement. Cette appréciation est conforme à l'analyse transmise par le comptable public du Centre de Finances de Vertou, et je me contenterai de le citer dans le texte. Le résultat de l'indice de qualité des comptes locaux sur les comptes 2014 de la commune de Saint-Sébastien s'élève à 20.
Oui, 20. Difficile de faire mieux. Il est supérieur au résultat des communes de même strate au niveau départemental. Il traduit l'excellent niveau de la commune en matière de qualité comptable. Il s'agit bien ici d'un élément comparatif avec d'autres communes qui montre bien la situation financière de la nôtre eu égard à ce qui se passe dans d'autres communes de même strate. Mais revenons à l'essentiel. Cette année, nous allons nous consacrer, élus et services, à réaliser plusieurs projets, notamment dans le cadre du bien vivre ensemble, du lien social et de la qualité de notre cadre de vie. Toutes les villes de France sont touchées par le vandalisme. Il n'y a pas de commune que j'ai pu visiter qui ne vive pas la même situation. Et l'on voit d'ailleurs de commune en commune se développer la vidéoprotection. C'est ce que nous allons faire à Saint-Sébastien. Et puisque dès cette année, nous allons voir les premières installations de vidéoprotection. Les dégradations sur notre commune, c'est de l'ordre de 15 000 euros par an, ce qui vous donne quand même à la hauteur de la conséquence de ces vandales sur nos équipements. Alors, vous aurez les premiers sites qui vont être implantés. C'est d'abord le gymnase du Douai, ce sont les jardins familiaux, c'est l'école de la Fontaine, la salle de l'Anneau-Côté, la salle de l'Escale, notamment sur les parkings. Vous êtes parfois malheureusement victime de vandales. La maison des associations, l'école de musique, l'hôtel de ville et le stade René Massé. Je souligne ici que cette initiative ne consiste pas à vous surveiller. Il ne s'agit pas de caméras qui surveillent les personnes qui fréquentent ces lieux. Il s'agit simplement d'enregistrements qui seront utilisés avec des précautions, c'est-à-dire que n'importe qui ne pourra pas y avoir accès. Donc ce sera extrêmement suivi sur le plan légal. Et donc ils seront regardés uniquement s'il y a eu une infraction sur les lieux à un instant donné. C'est donc un outil avant tout dissuasif qui est complémentaire des actions qui sont menées quotidiennement par nos forces de l'ordre et notre police municipale en particulier. Je salue d'ailleurs aussi la présence du commandant de la police nationale sur notre secteur. Merci à vous, commandant, d'être des nôtres. La conférence des sages a choisi cette année pour thème le centenaire, pour thème de commémoration du centenaire de la guerre 14-18. Ils ont choisi un thème tout à fait sympathique qui est la présence et la place des femmes dans la guerre 14-18. Alors ce thème a inspiré le choix que nous avons fait au dernier conseil municipal de donner à l'école de la Martelière le nom de Marie Curie. Pourquoi ? Parce que Marie Curie a été, pendant ce conflit terrible, a été tout à fait héroïque, en particulier elle a développé la radiographie en se rendant elle-même au plus près du champ de bataille. Et cette femme d'un nom et d'une réputation extraordinaire, elle a été la première femme à avoir eu le prix Nobel, et elle a été aussi la première femme à avoir eu deux prix Nobel. Elle a été la première femme à enseigner à la Sorbonne. Le parcours de Marie Curie est tout à fait remarquable, et nous avons souhaité donc donner son nom à une de nos écoles. Il nous reste deux écoles qui sont le Douai et la Profondine, qui ne portent pas le nom d'une personnalité. Nous engagerons donc une consultation avec les écoles pour que, en 2016, un choix puisse être fait. Nous mettons également en place de manière progressive un guichet unique pour faciliter les démarchages administratifs des usagers. Alors, dans un premier temps, ce sera donc un espace citoyen qui va être mis en place pour effectuer des démarches en ligne telles que l'état civil, telles que les opérations tranquillité-vacances, etc., puis un espace famille pour effectuer en ligne toutes les demandes liées à l'enfance et à la jeunesse. Enfin, l'accueil de l'hôtel de ville deviendra lui aussi un guichet habilité à centraliser puis délivrer des informations administratives dans tous les domaines, ce qui simplifiera vos démarches. Dans la continuité du travail réalisé depuis des années par le Conseil Handicitoyen, et là je salue tout ce qui est fait autour de ces personnes, et je sais que j'en ai vu quelques-uns dans la salle, quelques personnes qui ont été bénévoles, qui se sont inscrits dans ce Conseil Handicitoyen, nous allons maintenant créer une commission communale d'accessibilité. Cette commission va dresser le constat de l'état de l'accessibilité sur l'ensemble de notre collectivité, aussi bien sur le cadre bâti que dans le domaine de la voirie, ou encore sur les espaces publics, sur le transport, ou dans le transport ou dans le logement, et établira donc un rapport annuel qui sera présenté au conseil municipal. Et ainsi, des propositions pourront naître pour améliorer les accessibilités, travail que nous effectuons déjà avec, bien sûr, le conseil handicitoyen. Notre zone de loisirs, que vous connaissez bien et qui accueille déjà plus de 1 600 000 visiteurs par an, eh bien, va continuer à se développer puisque de nouveaux projets vont apparaître dans cette zone de loisirs qui, j'en suis persuadé, vous raviront. Nous adhérons également à l'initiative mondiale des villes aînées
Amis des aînés, qui a été lancé en 2006 par l'Organisation mondiale de la santé. L'objectif poursuivi est d'adapter notre territoire à une population vieillissante pour permettre d'améliorer nos conditions et d'épanouissement et tous les outils qui peuvent en être. 2016 est l'année des années et des études consacrées au transfert des ateliers municipaux et également à la direction des services techniques. Monsieur le directeur, vous arrivez au bon moment puisque nous avons l'intention de tout concentrer sur les espaces, là où se trouvent les pépinières, sur le pas Brodie. Donc tout remettre à cet endroit, ce qui libérera des locaux en centre-ville, locaux qui d'ailleurs bénéficieront à la police nationale, puisque vous verrez cette année un déplacement du commissariat de police qui se déplacera, comme nous l'avions d'ailleurs annoncé lors de la campagne électorale, qui se déplacera pour occuper là où se trouvent les services techniques de la ville, là où était l'ancienne école de musique de Saint-Sébastien, là où était avant le Crédit Mutuel. Nous allons également lancer l'étude pour l'agrandissement de l'école du Douai et nous effectuerons des travaux de mise en accessibilité du groupe scolaire de La Fontaine. Pour les sports, 2013 ne sera pas en reste et vous savez combien nous attachons de l'importance aux investissements sportifs. D'abord, ce sera l'extension des vestiaires du nouveau terrain de foot de la Profondine, puisque les vestiaires actuels ne sont pas adaptés. Ce sera également le lancement des travaux de construction d'un boulodrome et d'un club house à la Lourneau. Demande également très attendue. La mise en accessibilité du gymnase de Louchkinet. Vous verrez également la mise en accessibilité du complexe sportif de Champy, le remplacement de la couverture du vestiaire du gymnase de la Profondine, la création d'un local de stockage pour les vélos sur l'anneau cycliste et surtout la réalisation d'un nouveau terrain de rugby sur le stade de Massé. Pour la culture, les nouveaux locaux du service culturel au centre-ville vont être aménagés. Vous aurez la possibilité bientôt, nous l'espérons, et ce sera l'un des grands chantiers de cette année, eh bien, de voir des travaux sur l'allée de la gare d'Anjou. Et c'est également sur cette allée de la gare d'Anjou que nous avons décidé d'installer notre pôle culturel en centre-ville, au plus proche de la médiathèque et de la gare du Petit-Anjou qui sert à des expositions. Le projet de ligne Chronobus, qui sera un des grands projets de Nantes Métropole, nous serons bénéficiaires de cette réalisation de la ligne C9, puisqu'il va traverser notre ville et qu'il y aura en fait deux lignes chronobus sur Saint-Sébastien, puisqu'il y a une fourchette à un endroit donné sur la Savarrière qui entraînera en fait la réalisation de deux lignes. Eh bien, ce projet sera exposé en mairie du 1er février au 3 mars avec un cahier de doléances, et j'espère bien que vous serez présents pour le remplir. Des réunions publiques en mairie le 3 mars. C'est donc un démarrage des travaux qui est prévu en 2017. C'est un projet auquel je souhaite bien évidemment qu'il y ait une forte participation. Il vient compléter le travail qui avait été fait pour la mise en place du tram-train. Et puis plus tard, nous avions eu le busway. Maintenant, nous aurons le fameux chronobus en 2017. Outre les travaux d'entretien ou de réfection annuelle des voiries, je voudrais ici citer trois opérations conséquentes. D'abord, l'aménagement de l'allée de la gare d'Anjou pour permettre le déplacement du marché. L'aménagement de la route du Lerobotreau entre la route de Clisson et le centre aquatique avec des continuités piétonnes et cyclables. Et puis enfin, la poursuite de la politique ville apaisée où nous vous consulterons pour de nouvelles rues qui seront limitées à 30 km/h. Des travaux de renforcement de chaussées sont également prévus à l'ouest de la rue de la Baugerie et à l'est de la rue du Général de Gaulle dans le cadre de l'arrivée donc de cette ligne C9 puisque c'est sur ce tracé que nous mettrons nos priorités. L'année 2015 a été placée sur le terme et le signe de l'innovation. Vous avez pu notamment le constater à la fin de l'année avec l'ouverture pour nos plus jeunes d'une patinoire sur le gymnase du Petit Anjou. Eh bien, sachez qu'en 2016, nous allons encore innover. Mais cette fois-ci, c'est une innovation qui nous vient d'ailleurs. Nous allons créer des arbres à vœux qui seront installés sur notre ville en décembre. C'est une opération qui m'a été inspirée sur une autre commune. J'étais au vœu de mon ami maire de Saint-Marc-du-Désert, qui est vice-présidente du conseil régional, qui est Barbara Nourry, qui est au premier rang, et qui a imaginé une opération pas coûteuse du tout, mais très, très mobilisatrice dans sa commune,
Et nous sommes dit qu'on pouvait peut-être encore, à partir de cette opération, non seulement la reconduire dans notre commune, mais aller probablement plus loin, s'inspirant de ce que tu as fait, Barbara, sur ta commune. Si nous sommes inventifs et imaginatifs, nous le devons bien évidemment à nos propres réflexions, mais aussi en nous inspirant de ce qui peut se faire sur d'autres territoires. Moi, j'invite régulièrement les élus à aller regarder ce qui se passe ailleurs, à eh bien, générer des relations multiples avec d'autres villes pour pouvoir faire avancer dans un esprit de solidarité et de la manière la plus adéquate nos ambitions municipales. Alors voilà, mesdames et messieurs, chers amis, une nouvelle année qui ne manquera pas d'être bien remplie, vous l'avez constaté, à travers cette liste de ce que nous envisageons, et tout n'y est pas, vous le verrez dans un instant. Tout cela n'est rendu possible que par la parfaite symbiose qui peut exister entre des élus et puis une équipe de fonctionnaires territoriaux. Ici, nous trouvons notre bonheur dans l'action, et le management trouve le sien dans les projets, dans les échanges qui se vivent également dans un respect mutuel. Le seul moteur qui nous rassemble, c'est de vouloir rendre possible ce qui est nécessaire. En janvier 2015, nous nous étions réunis pour un moment de recueillement. Un moment de recueillement après les terribles attentats qui avaient été ressentis violemment par toute la population française. Nous pensions que cela n'allait pas se reproduire. Malheureusement, au mois de novembre, nous avons vécu de nouveaux attentats, de nouvelles agressions, de l'invraisemblable. Alors je voudrais inviter ce soir les maires adjoints à venir me rejoindre. Je voudrais que les accompagne Madame la vice-présidente du Conseil régional, Madame la sénatrice honoraire, Monsieur le président de Loire et Sillon, Monsieur le maire de Vertou, Monsieur le maire de Basse-Goulaine, si vous voulez bien me rejoindre sur ce plateau. Je voudrais ainsi marquer que nous, élus de la République, nous sommes solidaires. Venez, s'il vous plaît. Voulez-vous bien. Et les maires adjoints. Contre le terrorisme, la barbarie et l'intolérance, je peux vous assurer que vos élus ont su se montrer unis, ont su parler à l'unisson, pour faire respecter les valeurs de la République à laquelle nous sommes très attachés. Je crois que c'est la force de notre pays que de savoir se rassembler, quels que soient nos idéaux, quelles que soient nos sensibilités, pour marquer cette volonté de notre République d'une percée, d'une seule voix. Moi, je vois ici trois lumières qui se sont allumées au cours de ces événements tragiques. La première, c'est finalement le renouveau d'un sentiment d'unité nationale. Je crois que cette volonté et cette détermination qui s'est dégagée de ces événements vécus par nous tous a été le premier rayon de soleil que nous ayons connu. L'autre rayon de lumière nous vient des visages fermes, de la posture rassurante de ceux qui assurent notre sécurité. Et je voudrais rendre hommage à nos forces de police, à la police nationale, je voudrais à nos policiers municipaux, et je voudrais rendre hommage également à l'armée française qui est encore aujourd'hui, dans le cadre de l'opération Sentinelle, assure des opérations de sécurité. Et puis, la troisième lumière, c'est finalement la preuve vivante que notre République est debout, et c'est la preuve vivante que nous pouvons compter sur elle, et que finalement, on ne cache plus notre drapeau dans un grenier, et nous chantons avec fierté notre Marseillaise. Je ne résiste pas non plus à l'envie de citer Ernest Renan, « Ce qui constitue une nation », disait-il, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir. Je peux vous assurer que c'est cette détermination qui est la nôtre à Saint-Sébastien-sur-Loire, de continuer à agir dans le bien commun, dans le bien de tous, et d'agir pour un avenir à Saint-Sébastien qui restera celui de l'innovation, celui d'une détermination de faire progresser nos valeurs et de faire progresser notre République. Alors tous ensemble, nous allons vous dire dans un seul cri, ça va être un. Alors, on a tous appris notre texte, n'est-ce pas? Donc, tous ensemble, on se serre la main. Voilà. Et voilà, nous, élus républicains, nous vous souhaitons une très bonne année 2016. Merci. Merci à vous.